Alors, on est de retour dans Ascarena, sur la route. On est en direction du nord de la Côte d'Ivoire, où on va retrouver un couple d'amis voyageurs avec qui on avait déjà fait un petit bout de route, et Patrick et Marie, un couple de Français qui voyagent comme nous en Afrique. Et on va explorer toute la région du nord de la Côte d'Ivoire. Ça va être très intéressant. Je pense qu'on va voir pas mal d'architecture en terre, pas mal d'architecture traditionnelle et aussi, je pense, beaucoup d'artisanat. Et ça promet d'être une très belle vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage ? Allez, on t'emmène avec nous. Dans cette vidéo, on t'amène au nord de la Côte d'Ivoire. On va aller explorer cette région. Cette région est très traditionnelle, donc il y a énormément d'artisanat. Et on va commencer par te montrer un petit peu tout cet artisanat, en commençant par la visite d'un forgeron, donc un forgeron qui forge avec les techniques traditionnelles. Ce qui est très intéressant, c'est que la carrière dans laquelle il récupère le fer, la poudre de fer, elle se trouve à 4 km du village. Donc vraiment, les forgerons se sont installés ici pour la proximité avec la carrière de fer. La première étape, c'est le tas de sable qu'il y a là. Donc c'est une sable qui vient de la carrière à 4 km, une carrière de fer. Ouais. Ouais. Ah, donc ça, c'est l'aimant. C'est l'aimant. Quand on tourne, ça aimante. Voilà. Il faut qu'on lave avec de l'eau. Comme pour chercher l'or. Ouais, on lave. Voilà. On arrache de la poussière de fer. Ah, voilà. Et là, le fer, il est resté parce qu'il est lourd, il est resté en bas. Et au fond. C'est ça. Donc, après le lavage, il faut. On les transforme encore. Une fois qu'ils ont récupéré le fer de la poudre, ils font des petites boulettes, comme ici. Et ensuite, ils vont mettre dans le four pendant toute la nuit. Allô ? Donc ces petits tuyaux là, c'est de la paille, je crois, recouverte de terre, non? Ouais. Ça, ça forme un tuyau et ça permet que l'air rentre dedans et puis aille dans le four. Pour souffler. C'est pour souffler? Oui, pas l'air rentre. L'air rentre? Oui. Ça fait un appel d'air naturel en fait. Oui, ça tire. Ouais, tu sais que c'est le fer qu'il y a dedans. Bon, si l'air ne la rentre pas, ouais, on ne peut pas allumer dedans. Ah, c'est pour alimenter le feu qu'il voilà, y a dedans? Voilà, ça peut alimenter le feu. D'accord. Et combien de temps ça doit chauffer? Bon, au moins le soir, le lendemain. Ah, toute la nuit? Toute la nuit. Oui, toute la nuit. Tout ça, c'est que de la terre? Non, mais toujours, ça c'est toujours là. Ça ne peut rien gâter. C'est pas gâté? C'est toujours là. C'est garanti. Wow. C'est garanti. C'est garanti. Et il y a un petit personnage ici aussi, j'avais pas vu. Ça, c'est le confitis. Ah, c'est comme un fétiche. D'accord. Confitis. Donc lui, c'est comme le gardien du four. Si. D'accord. Tu vois le petit personnage? C'est le fétiche. D'accord. Il est beau, hein? On va le jeter. Oui. Derrière le four, il y a aussi des petits tuyaux qui sont... C'est un peu comme les thermitières en fait. Il y a l'air frais qui rentre par en bas, l'air chaud qui remonte par le haut. Et ça alimente le four en permanence. Et les thermitières, c'est le même effet que l'effet Venturi. Et donc après avoir chauffé pendant toute une nuit, c'est ça qu'ils récupèrent. Et après ça, ils doivent le casser. Mais là, on le voit déjà, tu vois déjà un peu des morceaux de fer. Hein. On refait le test. Là, c'est la poudre du fer. Donc, en cette poudre, pour le faire fondre, comment on refaire? Il faut. On fabrique une bolle avec argile pour mettre en poudre. Comme ça. Bien rempli ça. Et on va à la forge. Donc là, on arrive à la forge. Alors, c'est nous, on n'a pas besoin de machine. C'est les soufflets. Et voilà,
le bol de argile pour le mettre au feu. Après 2 ou 3 heures à activer mécaniquement le soufflet, la poudre de fer est devenue liquide. On peut la verser dans un moule fait dans le sable au sol. On laisse reposer, puis on récupère l'objet et on le remet dans le feu toujours activé. On dit qu'il faut battre le fer. On peut ensuite travailler le fer tant qu'il est encore chaud. J'ai acheté un poisson d'un ami à français à Nantes. C'est la signature. Signature. Quoi? SS. SS. Voilà. Et c'est? Parce que je ne dis pas, mais c'est Soro Shiokama. D'accord. SS. Bravo. C'est bien. Merci. Ah, magnifique. Merci pour vous. Voilà. Et là, il y a toutes les réalisations du forgeron. Les gens du village qui ont besoin d'une dama, si, ils viennent ici. Ils viennent nous voir, ils font une commande aussi. Ah, ils doivent faire la commande. Ils doivent faire la commande. Mais les grandes damas, les gens l'utilisent encore. Ils l'utilisent encore. C'est ça. Ouais. Démonstration de la dama. Ouais. Ah oui, ça marche bien. Hein. C'est le livre d'or. On est le 28. Le 28, ah oui. Salut. Alors dans notre petite visite des artisans du nord de la Côte d'Ivoire, après les forgerons, on a trouvé un endroit où c'est des artisans perliers. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire. Il me semble qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs perles avec des matériaux naturels. Donc Mathieu est déjà parti, c'est pour ça que je regarde. Mais je vais sortir de la voiture et je vais aller voir ce que ça donne. Après notre merveilleuse découverte des forgerons, on espère que la rencontre sera aussi intéressante. Et vous la récupérez ? Ouais, au bas fond, à la rivière. Au fond de la rivière. Dans le lit de la rivière. Au fond, à la rivière. Ouais, c'est ça. Waouh. Ici, à côté, elle est loin la rivière ? Bon, elle est loin, elle est venue. Combien de kilomètres ? 18 kilomètres. Waouh. Ah, c'est loin quand même. Faut beaucoup marcher. Oh, c'est massé, hein. Là, le beurre de karité. Oui. Le beurre de karité. Ah, beurre de karité. Ah, oui, d'accord. Ah. Wow, ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec le beurre de karité maintenant ? Donc le beurre de karité, c'est pour pas que ça colle. Ça permet de faire la boulette. Oui, oui. Wow. Ah, waouh. Wow. Ah, ouais. Elle est parfaite. Les artisans perliers perpétuent une tradition propre à leur région. Leur travail est captivant, tant par leur dextérité que par la beauté des motifs qu'ils créent. Je n'avais jamais vu ça. Il y a quelque chose de méditatif à les regarder. Ça en est presque hypnotisant. En plus, tous les produits qu'ils utilisent sont naturels. L'argile est récupérée dans le fond de la rivière par les femmes du village. Le beurre de karité est confectionné localement. Les peintures sont faites avec des colorants issus de plantes et de pierres locales. Le rouge. Ah, comment il fait le rouge ? Avec les feuilles de teck. Voilà. Ça, c'est la feuille de teck. Ah, là, il fabrique le rouge. Waouh ! Oh, c'est impressionnant ! La feuille de teck pour le rouge, de King Keliba pour le vert. Waouh ! C'est impressionnant ! La pierre de kaolin pour le blanc et une pierre jaune pour le jaune. Même le pinceau qu'ils utilisent est en fait une plume de pintade. Que ce soit les artisans perliers ou les forgerons, tous les outils nécessaires à leur art viennent de la nature. Alors pour la petite histoire, on est déjà venu ici il y a 2 jours. En fait, on a déjà observé tout leur travail et là on est de retour pour une commande un peu spéciale en réalité. On cherche depuis très longtemps des petites tasses pour le café. On aime bien avoir nos petites tasses à espresso et on s'est dit que ça pourrait être trop cool de les avoir en argile. Et vu qu'ils font des motifs tellement beaux ici, on s'est dit qu'il fallait leur faire une commande spéciale parce qu'ils n'avaient pas la taille qu'on voulait. On est de retour
deux jours plus tard. Et voilà nos petites tasses à café. Elles sont trop mignonnes. Ces tasses-là, elles sont trop belles. Elles sont vraiment magnifiques. Tous ces petits points, tout ça fait à la main. Je sais pas, moi je la trouve super. On a un nouveau set de tasses de café made in Côte d'Ivoire. Et alors c'est marrant parce que ni Agathe ni moi sommes très souvenirs. On a toujours du mal à acheter plein de souvenirs parce que on sait jamais si c'est vraiment de l'artisanat, si c'est fait ici ou pas, ou bien d'où ça vient. Quand on voit de l'artisanat local et quand on voit les gens travailler, ben, on se dit que c'est l'occasion de se rattraper et de faire le plein de souvenirs. Donc moi, je suis avec mes petites tasses de café et Agathe, elle a reçu une nouvelle commande parce qu'après qu'on ait envoyé les photos à la famille de tout ce qui se faisait ici, on a reçu plein de demandes. Donc Agathe, elle est dans le magasin, là-bas, un peu plus loin, en train d'acheter des bracelets, des colliers, etc. Donc voilà, on fait le plein de souvenirs ici dans la région. C'était vraiment incroyable de visiter cette région. On a trop kiffé. Les gens sont hyper accueillants. Les gens vraiment prennent le temps de t'expliquer. Et alors qu'on pensait que ça allait être hyper, hyper touristique, parce que c'est vraiment une région assez connue pour son artisanat, eh ben, c'était un tourisme plutôt local qu'on a croisé et pas du tout de masse. Donc à chaque fois, on était tout seul. On a eu plein de visites privées et des gens qui ont vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps pour tout nous expliquer. Donc voilà, c'est toujours cool de dépenser son argent localement et dans des souvenirs pour lesquels tu as pu voir du début à la fin comment ça se passait. Allez, c'est parti pour la suite du trajet. On reprend la route et cette fois-ci, c'est une piste qui va nous amener au petit village de Newfin. Et c'est un village, c'est nouveau. On va essayer, parce qu'on ne sait jamais vraiment à l'avance, de visiter l'habitat traditionnel, c'est nouveau. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, on a une bonne piste d'une bonne heure et demie là. Ah, ça faisait longtemps, de la poussière et de la piste. Ça va, elle a l'air d'être encore en assez bon état. Mais là-bas, c'est de la poussière. Hein. Le peuple Sénoufo s'est installé en Afrique de l'Ouest au Xe siècle, bien avant les frontières actuelles. Aujourd'hui, il se retrouve partagé entre trois pays, le sud du Mali, le Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire, où nous allons les rencontrer. On est notamment venu pour admirer deux constructions atypiques, la case Dibi et la case Kalebguin, qui pourraient toutes deux faire penser aux habitations des Schtroumpfs. Chacune d'entre elles est la case d'un fétiche vieille de plus d'un siècle et unique au peuple Sénoufo. C'est un peuple de paysans animistes qui pratiquent l'agriculture à l'ancienne avec le souci de préserver le sol. Ils sont connus pour être très conservateurs, pacifistes et stables. Ce sont ces traits de caractère qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir visiter un village traditionnel encore très bien conservé. Ça y est, on est arrivé au petit village de Newfin. Donc en fait, c'est un village dans la ville parce que le village s'est agrandi et s'est développé tout autour de l'ancien village traditionnel. Mais le village traditionnel a vraiment conservé sa tradition et c'est comme un petit village à part dans la ville. Et donc là, on est vraiment dans la partie traditionnelle et derrière moi, on peut voir une case fétiche, donc il y en a deux. Celle-ci, c'est celle qui a la plus grande coiffe en chaume. Donc tu peux voir toute cette paille qui est mise, elle est très très haute, très très bien conservée. Et en fait, chaque année, on vient rajouter une couche de paille. Donc si tu arrives à compter toutes les couches, tu peux savoir de quand date la case. Mais bon, c'est impossible de compter. Je demanderai à Mathieu qu'il essaye, mais je pense pas qu'il va y arriver. C'est vraiment la coiffe la mieux conservée du village et la plus importante de tout le village. Donc dans cette case fétiche, les gens peuvent venir faire des vœux. Mais quand ils viennent faire des vœux, ils doivent faire une offrande à la case. Et quand on est arrivé, on a tout de suite vu les ossements. Et donc ça, c'est les offrandes pour pouvoir faire un vœu. Tu peux nous raconter l'histoire de la case ? Oui, il y a beaucoup de choses. On peut s'approcher ? Oui. Donc pour rappel, c'est un village Sénoufo. On va essayer de se balader un petit peu dans le village et te présenter cette architecture et les traditions qui vont avec. Moi aussi, ici, c'est les biches. Donc le bâton, c'est la communication avec le fétiche. C'est pour que le fétiche puisse savoir tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme ça que le fétiche, il a les informations du monde. Le serpent. Voilà, c'est ça. La promesse que tu vas prendre,
Il y a une fresque sculptée qui entoure tout le tour de la case et chaque petit dessin ou sculpture représente quelque chose de la culture Sénoufo. Donc c'est un peu difficile de tout comprendre, mais par exemple tu peux voir un serpent, il y a des femmes, il y a des enfants et des garçons qui sont représentés. Donc quand tu viens demander un vœu et que le fétiche te l'accorde, tu as fait une promesse avec le fétiche. Et si tu n'honores pas cette promesse, tu vas rêver d'un crocodile. Donc c'est pour ça qu'il y a le symbole du crocodile. Ça, c'est le crocodile. Si jamais, après avoir rêvé du crocodile, tu n'honores toujours pas ta promesse, tu vas te faire mordre par le serpent. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a le serpent qui est sculpté aussi sur cette fresque. La grande queue noire, c'est le serpent. Ok. Du coup, Mathieu, tu commences à compter les couches ? Parce que personne ne sait à quelle année était construite la case. Bon, apparemment, elle a plus de 100 ans, ce qui ne m'étonnerait pas, parce qu'il y a pas mal de couches. Mais voilà, si jamais tu veux t'amuser à compter les couches, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux compter les couches et tu nous dis en commentaire combien il y a de couches. En tout cas, ça fait plus qu'un mètre, hein, à mon avis. Plus qu'un mètre de couches. C'est énorme. Une bonne isolation thermique là, il n'y a pas de problème. Avant, on mettait ici les collines sur les chiens. Ah, les colliers, c'est le nombre de chiens. Voilà. Ah, d'accord. Tu les vois où les colliers ? Ici. Ça là. Quand tu veux venir faire un vœu dans la case, tu dois faire une offrande et tu peux faire différents types d'offrandes. À l'époque, on faisait une offrande d'un chien, c'était ça la coutume. Tu peux voir les colliers des chiens qui sont à l'entrée. Et aujourd'hui, tu peux faire plusieurs types d'offrandes. Donc, tu peux faire l'offrande d'un mouton, tu peux faire l'offrande d'un poulet, d'une pintade. Donc, quand tu fais poulet, une pintade, tu mets les plumes. Et quand tu fais un mouton, par exemple, tu mets la tête. Donc, comme on a vu, le squelette de la tête du mouton. Et tu peux juste pas faire l'offrande d'une chèvre, parce que la chèvre, c'est le totem du fétiche. Et quand tu as mangé de la chèvre, tu peux pas venir proche de la case, sinon tu t'exposes à des mauvais sorts. On peut rentrer dedans ou pas ? On peut rentrer dedans ? Non ? C'est toute la journée là, le fétiche ? Il est toujours dedans. Mais vous voyez des plumes de poulet là ? Oui. On a adoré le fétiche ce matin avec une boule. Okay. Voilà. Tout autour de la case du fétiche se développe le petit village. Et donc ici, par exemple, derrière moi, tu vois des cases rondes, des cases rectangulaires un peu plus au fond et des constructions très hautes. Et donc les cases rondes, ce sont les habitations des femmes. Les cases rectangulaires, c'est l'habitation de l'homme, du chef de la famille. Et les petits chapiteaux que tu vois, ce sont les greniers. Donc c'est là où est stockée la nourriture. Donc la nourriture qui n'est pas périssable, comme le riz, les graines, le maïs, tout ce genre de nourriture. Derrière moi, tu peux voir, c'est l'espace d'une famille et tu peux trouver plusieurs cases rondes. Je crois qu'il y en a deux et une case rectangulaire. Chaque femme a sa propre case. C'est parce qu'ils sont aussi polygames dans cette culture et ils sont animistes, donc ils sont ni musulmans ni chrétiens. La richesse d'une famille est calculée à son nombre de greniers. Donc plus tu as de richesse, plus tu construis des greniers et plus tu peux remplir ces greniers. Donc tu vois, des fois, il y en a plusieurs qui sont accumulés. C'est parce que tu as eu plein de richesses, donc tu as pu avoir plein de denrées. Et donc tu montres cette richesse, ton opulence, en construisant un grenier. On peut voir aussi la paille qui est stockée, donc c'est la paille qui sera utilisée pour la réfection des toitures et sûrement pour faire la nouvelle couche de la case fétiche. Si tu te demandais comment on monte et comment on rentre pour mettre les denrées dans le grenier, parce qu'il n'y a aucune ouverture, si tu fais tout le tour, tu ne trouveras pas d'ouverture. Et en fait, on soulève la toiture et on met une échelle en bois et on peut rentrer pour mettre les denrées. Hein ? Je crois que d'abord on met l'échelle et après on soulève la toiture. Ouais, on met l'échelle et après on soulève la toiture. Et donc tout est caché à l'intérieur. Et c'est encore très utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'architecture la mieux conservée de cette partie du nord. Tu passes dans tous les villages, tu peux avoir des nouvelles constructions de bâtiments qui sont en béton. Il y a énormément de nouvelles constructions qui sont réalisées. Mais par contre, tu vas toujours retrouver les greniers en terre parce que c'est encore utilisé aujourd'hui vraiment pour stocker les denrées. Ah, c'est la conserve locale. Voilà, conserve légale. D'accord. Voilà, riz, c'est comme tout le monde, le magasin. Là, vous allez rentrer dedans. Ah oui, faut être souple hein, quand même. Ah, donc il y a une petite marche.
un petit palier pour qu'après ils rendent... Ah, c'est le riz. Bien sûr, c'est les bottes de riz. D'accord. Et de temps en temps, on peut voir des adaptations. On a aussi vu des greniers qui avaient des toits en tôle. Mais bon, voilà, ça prouve qu'aujourd'hui encore, c'est utilisé. C'est toujours en terre. Donc même au milieu des constructions en béton, le grenier, il sera fait en terre. Et il est encore utilisé. Dans la culture Sénoufo, tu as tout un rite d'intronisation. Et donc chaque 7 ans, il y a 4 personnes qui sont choisies pour devenir des initiés et donc apprendre tout ce rite des initiés. Et il n'y a que ces personnes, les initiés, qui sont autorisés à rentrer dans les cases fétiches. Et donc ce que tu vois derrière moi là, c'est un abri. Donc c'est l'endroit à palabre qui s'appelle, donc l'endroit où ils se rencontrent, où ils discutent à l'ombre. Et chaque année, on rajoute du bois au-dessus pour garder une protection au soleil. Et les gros troncs qui tiennent toute cette structure qui est de plus en plus lourde sont changés chaque 7 ans. Donc c'est les nouveaux initiés qui sont chargés de trouver les gros troncs de bois et de vérifier si les troncs existants sont encore assez forts pour tenir 7 ans. Et s'ils ne sont pas assez forts, ils sont chargés d'aller chercher ces troncs pour les remplacer. Donc les gens utilisent cet endroit pour se reposer, pour discuter à l'ombre, et on est juste devant la case fétiche. Voilà. Que j'avais des bois comme ça, au fur et à mesure que nous, voilà. Les années passent, voilà. Ça prend 7 ans aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Chaque 7 ans qu'on remplace. Donc il y a plusieurs histoires autour de ces deux cases, on ne sait pas exactement lesquelles sont véridiques. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que celle-là, elle est plus grande et plus importante. On peut voir aussi à l'entrée qu'il y a plus de colliers d'offrandes, donc c'est une case qui est plus utilisée pour faire les vœux. Les deux cases ont les mêmes fonctions, donc tu peux dans les deux cases aller faire un vœu, mais il y a une case qui est plus utilisée par une partie du village, une famille, et l'autre case qui est plus utilisée par une autre partie du village. Cette case, à l'époque, elle avait été construite pour préserver des envahisseurs. Donc, c'était ce fétiche qui protégeait le village des envahisseurs. Et l'autre case qu'on a vue juste avant, elle préservait des épidémies et des malédictions. Donc voilà, c'était l'esprit qui préservait des maladies. Donc à l'époque, chaque case avait un rôle bien précis. Aujourd'hui, ce sont des endroits où tu viens faire une offrande pour demander quelque chose en retour. Dans l'autre case, on a vu le grand bâton. Donc notre guide nous a dit que c'était pour que le fétiche communique avec le monde. Mais il y a aussi une autre histoire qui raconte que ce grand bâton était un paratonnerre traditionnel et que c'est lui qui décide quand c'est qu'il pleut et quand c'est qu'il pleut pas. Et donc quand les cultures ont besoin d'eau, le fétiche avec son paratonnerre traditionnel, il arrive à commander l'eau. C'est très impressionnant d'arriver dans ce village parce qu'on a pris la route et de loin on voyait ces gros chapiteaux en chaume dépassés de tout le village. Donc même si le village s'est étendu et maintenant est devenu une petite ville avec des constructions en béton, il n'y a aucune construction qui est plus haute que ces petites pointes de chaume. Donc tu peux le voir de très très loin quand tu arrives et c'est très impressionnant. C'est vraiment très bien construit, très bien conservé, et en même temps il y a tout cet artisanat autour de ces cases fétiches, donc toutes ces petites sculptures, ces peintures, toute cette coiffe qui est coupée, voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est entre l'architecture et l'objet d'art je trouve, mais voilà, c'est bien que ce soit encore conservé, et puis on voit que c'est encore très ancré dans la tradition. Ils nous ont raconté que ce matin ils avaient fait une offrande, ils avaient offert un poulet au fétiche, donc on a vu toutes les plumes par terre, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Donc c'est aussi ces petits éléments qui sont ici des éléments d'architecture qui font perdurer toute une culture. Comme on aime bien le dire, l'architecture d'un pays est le miroir de sa société. Et donc ici, en visitant ce village, son architecture, on en apprend un peu plus sur la culture et sur les traditions de la Côte d'Ivoire et surtout du peuple Sénoufo. Alors je trouve ça vraiment impressionnant, tout l'effort qui est fait par cette communauté pour conserver les cases des fétiches. C'est vraiment un petit bijou d'histoire et architectural, ce qui ça raconte plein de trucs sur l'histoire en fait ici de cette région, comme Agathe l'a déjà dit. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ils l'ont conservé et ils conservent aussi, grâce à ça, leur tradition. Malheureusement, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pour conserver les cases des fétiches, les maisons qui se trouvent tout autour commencent peu à peu à disparaître.
ou du moins commencent à être remplacées par des maisons construites en ciment. Les gens le disent ici, ils en sont assez tristes, c'est que simplement il y a de moins en moins de personnes qui sont disposées à aider à la maintenance de ces maisons et aussi ils ont de moins en moins de paille disponible. Mais le fait est que le village se modifie quand même peu à peu, alors que pendant très longtemps il a été vraiment très très bien préservé. Il faut vraiment se rendre compte que ici on est dans un très grand village, donc là on t'a parlé que d'une toute petite partie du village. Et aussi ce qu'il faut soulever, c'est tous ces super beaux greniers qu'on a croisés dans ce village mais aussi sur la route pour venir jusqu'ici. On en croise vraiment partout et ça aussi ça fait vraiment partie de la tradition. Et c'est magnifique, toutes ces petites architectures en terre et en paille, ça participe vraiment à donner un aspect très traditionnel à ces lieux et pas du tout dans une vocation touristique ni exotique pour le touriste d'un jour, mais vraiment parce que c'est la tradition ici et peut-être que ça ne changera jamais vu que ça marche très bien. C'est ici que cette vidéo s'achève. Pour nous, ça a vraiment été une découverte incroyable. C'était magnifique de discuter avec ces artisans, de découvrir ces architectures, de découvrir en fait toute cette région du nord de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on va explorer encore un petit peu cette région. Allez, ciao, à plus dans une prochaine vidéo.